La spécificité de l'histoire qu'on raconte en analyse, c'est que c'est une histoire qui est faite de phrases marquantes. Au point que finalement, Lacan ait pu faire, dans fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, eh bien, le cœur même de l'expérience analytique, de faire l'exhaustion de ces phrases qui ont pu constituer des tournants, dont on a cru qu'ils ont même pu, dont on a cru qu'elles ont même pu faire destin. Et finalement, est-ce qu'elles tiennent le coup, ces phrases? Au fond, un certain nombre finissent par jalonner le parcours d'une analyse, et puis au fur et à mesure, certaines chutent, d'autres restent, au point qu'à la fin, l'histoire du sujet finit par se résumer presque à une phrase marquante. Mais une phrase marquante, épurée, détachée même des affects et de la croyance dont elle a pu être chargée, et qui fait finalement de cette phrase marquante presque un blason. C'était un blason, une signature active, et l'analyse l'a fait passer aux vestiges.